Je sais pas. Salut The Rich, comment vas-tu? Je vais prendre ma Yev, je crois. Snid mort-vivant, c'est excellent. Comment ça? Ah, mais catacombe, vous voulez dire? Ouais, l'idée est intéressante. En effet, l'idée est intéressante. En fait, je veux pas. En fait, je pourrais faire un play avec pouvoir, up, pièce, mais j'ai l'impression que c'est vraiment trop fragile en tempo. Donc, je crois qu'au-dessus de la pièce, je préfère un plus 2 ou même un. Une hache sur tireur de câble, vous voyez. Je crois que je préfère la tempo que l'économie. Avec Maiev, en tout cas. Après, si j'ai un sort à 2, faut aviser. Ouais, je suis un peu déçu quand même. Partait d'un bon sentiment de pas. Bon, après, j'ai eu lui en troisième carte. J'avais gelé, j'aurais pas eu. J'ai peur de me faire fracasse, quoi. Il y a un play où on reste dans cette taverne. Ça. Est-ce qu'on veut ça? Oh, une embuscade. C'est pas mal, mais je crois pas. Jamais vous énerver. Échappez aux ténèbres avec moi. L'argent et les potentiels rolls avec les LM A4. Vous jouez gros. Maintenant, il va falloir assumer. Ah.
viendront plus vous chercher des noises de sitôt. Échappez aux ténèbres avec moi. Tour 5 à Nubarak, j'aime beaucoup. Tour 5 à Nubarak, j'aime beaucoup. Surtout que là, on a vraiment rien, on n'a pas de construction. Prothèse, c'est juste de la tempo. Garde cadavre, c'est juste de la tempo. Je crois que je vais prendre la Nubarak. Et je vais prendre le choix du chef. Sur lui. Ok, ça me va. Vous êtes en bonne Salut Jérémy Tchoum. Je me demande, un retour du duo magique est-il envisagé? Ken, il n'est pas disponible en ce moment. Mais quand il sera disponible, bien sûr. Alors, on a quoi là? L'autocollant de poisson. C'est rarement bien, mais là ça peut être ok. L'automate, non. Les morts vivants en 3 d'attaque. On a déjà ça qui booste l'attaque. Bâton du fléau, j'aime pas trop. L'autocollant, non? Ça peut être intéressant. Allez. Ça, faudrait que ça donne un petit... Ah, il y a match. Tireur ou liche. Tireur ou liche. Écoutez, je crois que je vais prendre tireur et je vais up. Pour essayer de choper Prima, Titus. Que dalle. Bon, Leroy, ça marche avec l'autocollant. C'est poussif, mais... Je fais ça. Vous avez trouvé un... En vrai, c'est drôle, hein. En vrai, c'est rigolo. Là, maintenant, on veut qu'il tape dans le fiche. Allez, on s'en fout. On s'en fout. Allez, tape dans le fiche. Non, toi on s'en fout. Tape à droite. Tape dans le fiche. Bah tape dans le fiche. Ok, bon bah voilà. Ok. Impressionnant. Ça c'est pas très bon. Ah c'est bien mais... Ça peut donner un ral. Ah. Est-ce qu'il n'y aurait pas un up? Il est agressif le up. Hein. Je vais lui proposer. Il est peut-être un peu agressif. Non, ok. Où est le combat? Ça peut donner des taunts. Ok. Où est le combat? Ouais, Jeeves
ai pas confiance non plus. Je suis le premier seigneur des cryptes. Eric, c'est pas si mal en mode mort-vivant full attaque. Ça peut être intéressant. Je fais un truc dans ce style-là. Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est un sacré hit. Taper dans le fiche maintenant, c'est très sympa. Ouais. Nice. Ok, puis on a bien stacké de l'attaque, c'est agréable. Oh, ça c'est très agréable aussi. Sur l'attaque ou sur... Non, sur lui. C'est bourrin, hein. Peut-être sur lui en vrai. On a tellement d'attaques. En fait, je vais rester. Non, non, si, si, si. Je vais faire ça. Je crois que je vais pas monter parce qu'il y a le taunt qui était très important. Je sais pas si Momi c'est si bien. Je pense pas. Pas dans ce genre de spot. Ça c'est poussif aussi hein. Dans... Ah Burke. Donc en gros on taunt le Leroy, ce qui fait qu'on peut jouer Momi first et on taunt lui. Oula. Et en gros on va également taunter lui et dans ce cas là je fais même comme ça. Pour vraiment optimiser le poisson. Ouais super. On n'a pas fini de chanter vos exploits. Je suis un peu un haters du poisson moi. Je déteste Enzot, mais là j'avoue que c'est assez intéressant ce qu'on est en train de mettre en place. Salut Monakea. Salut Thomas, comment ça va? C'est plaisir de te voir. Pour toi c'est quoi le pire champion à jouer? À jouer Rokuzu. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. C'est une blague? Mais y'a rien. Canal. Canalisation. Je mange des trucs. J'achète, je mange. Ça fait un peu de stats. Ou c'est plus 6, plus 4. Non mais ça, un talisman. Hein. Vous voyez, cet endroit avait juste besoin d'un bon coup de balai. Le truc c'est... Ouais, je vais rentrer Fire X là. J'ai pas tant de rip-hop. Ah. Ah. Je sais pas si... J'ai envie de faire ça là-dessus, mais maintenant. Est-ce qu'on garde Fire X? Peut-être c'est la momie qui dégage.
Et je taunt lui en fait. Est-ce qu'on va à tout prix qu'il meure? Je fais un truc comme ça. L'or est à vous. Pourquoi pas la main sur la momie sur ce spot? Bah la momie, j'ai pas l'impression que elle soit intéressante dans le fonctionnement du combat. Là, il faut arriver à se projeter dans le fonctionnement du combat, pas dans la théorie pure. Tu vois? Là, je joue que avec le poisson en fait. Enfin, pas que, parce que si bien le poisson, il va même pas mourir là. C'est peut-être dangereux Fire X avec le poisson en vrai. Non! Ah non, ça va. Bam, 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 bam. Ok, ok. Salut Dark Soldier, comment vas-tu? Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Est-ce qu'il faut up? Ouais, je crois. Ouais, prouver, c'est fort. Hein. On sait jamais si on perd un combat à un moment. Ce qui devrait arriver quand même, non? Je pense. Ok. Je crois qu'on va mettre ça first. On veut vraiment que ça summer vite. Ça, into ça. Ok, ok. Ah, j'aime bien ce que je mets en place. C'est un très intéressant. Salut Kevin du 29. Qui va test Throne and Liberty aujourd'hui? Kezako. Ta compo finale ressemble à quoi? Ma compo finale ressemble à quoi? Bah ça. Pharix doré. Anubarak doré. J'ai une compo full attaque, donc faut que je continue à stacker de l'attaque. Et que j'essaye de teker un peu avec Pharix peut-être. Pourquoi le squelette avant Anub? Pour pouvoir proc forcément avant que le fish meure. Je veux faire des procs en fait. Ah zut, GG. GG. Non! Il détruit mes rêves ce type là en fait. Attends mais... Attends, mais le tracker il est bourré, non? Comment il peut être... Comment il peut gagner? Non, le tracker est bourré, il joue 0% le type. Par contre, il survit, non? Ah non. Non, c'est pas possible. Il joue 0% parce que là, j'ai fait les pires hits du monde. Désolé, mana. Le tracker nous a menti. Eh bien, ils ne viendront plus vous chercher des noises de sitôt. 27-4, ça a m'aidé créa. Je sais pas. Je préfère mettre ça que mettre des 1-1. Sachant qu'il y a déjà ça qui en met 2. Je sais pas trop. Bah par contre je vais taunter lui. Cette recrue-ci vous sera très utile, vous verrez. Comme ça je peux mettre lui. Non. On va faire ça après peut-être.
c'est une impasse. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Ok, j'aime bien ce placement. Oh non, faut tuer le Leroy, les gars. Merde, il a tué mon gars, j'ai pas eu de rip-hop, fais chier. Ouais, mais c'est nul ça. Non mais je joue 100% là aussi. Hein. Ouais, là aussi c'était 100%. Ok. J'aime bien dorer ce gars. En fait il faut d'autres comme ça, ça c'est trop bien. Parce que ça invoque une 2-1 qui ravène une 2-1, c'est génial pour eux. Pour le fiche. Peut-être un Leroy supplémentaire. Non, contre mort-vivant, je pense pas. Catacombe. Non, c'est un peu tard. Bah ça c'est cool cette synergie. Non, on peut tripler Anub, je suis bête. Un ajout de qualité. Je suis le premier seigneur. Allez, petit trifle. À faire ça. On n'a pas les rip-hop, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais... C'est pas la fin du monde. Ah non! Ah, on y était! GG. Bon, au moins on a l'argent. Ça marche comment ça par rapport à ça? Début du combat, et ça c'est début du combat. Est-ce que c'est les sorts avant... Ah, je sais plus. Lord of the Ring. Je sais plus Lord of the Ring. Il n'y a que des morts vivants dans ce lobby. Trinket first. Ah, trinket first into sort. C'est très embêtant. Allez, un sort qui dort. C'est raté. Ce serviteur n'est peut-être pas le plus fort, mais il sera loyal.
J'ai beaucoup de rip-hop quand même. J'ai vraiment beaucoup de rip-hop. Les gars, faudrait, si vous le souhaitez, vous pouvez taper. Ah, ça c'est bien, pardon. Vous pouvez taper dans le baron sans vous commander. Très bien, merci. Le Titus dans la compo est achetable? Non, je n'ai pas la place parce que je dois déjà jouer qu'avec 6 créatures. Et tu vois, il y a certains rip-hop qui ne se mettent pas, donc non. Par contre, faire RX doré, c'est vraiment la clé. Hein. Comment tu fais pour parler à tes créatures? Ouais, avec la bouche. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Mecha. Y'a pas un truc avec écran solaire contre Mecha? Après, on peut rentrer un dynamiteur. 3 mechas. Il n'y a pas tant de boubou. Le sort qui dort. Hein. S'il vous plaît, le sort qui dort. Mais ce serait vraiment sympathique. Hein. Un Leroy de plus à la place de ça. Contre Mecha, ça va chercher ses automates, pif pif. Bon, ça aussi ça peut chercher un automate, quoique. Je suis ok avec l'idée. Pourquoi tu places pas Anubarak plus tôt? Je veux optimiser les Raldagouni de Ripop. Là, ça se joue pas un ou deux d'attaque de plus, tu vois. C'est bien de gagner de l'attaque, c'est important parce que la game, elle peut encore durer un ou deux combats. Mais l'objectif, c'est vraiment d'optimiser les combats, en fait. De pouvoir blesser l'adversaire, potentiellement le tuer. Oh! Attends, mais il y a un monde là où je lui cale un pourcentage honteux, non? Non. Pas loin en vrai. Attends, 6. 3, 9. Ah. Ok. Mais ça continue à gagner de l'attaque, c'est intéressant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver.
C'est toujours utile d'avoir... Salut Capo FL, ça te manque pas Hearthstone? Bah j'y joue tous les jours. Pourquoi ça me manquerait? Œuf pour Fire X. Oui. Ça pouvait avoir du sens en effet. Est-ce qu'on veut les boubous? C'est bien les boubous. Hein. C'est une bataille de value. Hein. Heureusement qu'elle est de notre côté. C'est bien, c'est bien. C'est ça le spot? Bah là pour le coup, vu que ça a boubou, on peut peut-être placer comme ça. Non, quand même comme ça. Allez, la bagarre. Astérix est là, c'est parti, c'est la bagarre. C'est con comme board. Nice, ce placement se met pas mal. Parce qu'on aura le rip-hop de... Ouais, c'est intéressant. Si vous pouvez taper dans le poisson, si jamais ça vous intéresse, ça pourrait être sympathique, vous allez voir. Ce poisson, il est violent, il est cruel même. Et je parle en tant que fiche. Hein. Celui-là, il est vraiment cruel. Le poisson, il est d'une cruauté. Il ramène l'enfer, quoi. Par contre, je tue pas mes adversaires, je mets pas beaucoup de dégâts, mais... Ouais, bon. En tout cas, je joue des 100%, ce qui est pas mal. Et nous, on continue à scale, hein, mine de rien. Quand je vais avoir ça doré, ça va pas rire. Ça va pas faire rire. Ah, il a raté. Ouh. Ce serviteur, c'est un habitué. Je tente. En vrai, s'il dort tout de suite, c'est cool. Oh, cette recrue à la grosse table. Heureusement oh, argent. J'aime bien. Est-ce qu'il faut le booster lui un peu? Je suis pas certain. Vous avez la pioche facile, dites-moi. C'est même ça le placement, idéalement. Ah, quoique. En fait, on s'en fout de pas avoir la réinca. Ah, il y aura un monde où c'est ça, en fait, le placement. C'est ça, into ça. En considérant qu'eux vont mourir. Ouais. On est tour 16. Ça fait 5 tours qu'on recherche un Fire X doré. Ah, c'est con. C'est n'importe quoi. Mais c'est, en fait, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a construit notre board assez rapidement. Vous voyez, on a mis en place un setup de top 2, peut-être même de top 1. Bah, très très tôt dans la partie, c'est-à-dire tour 10, c'est ça? Tour 10, on avait déjà le setup. Et ça fait 6 tours qu'on essaye de dorer le Fire X. Donc, ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'on a joué correctement. Le boost sur Fire X, c'est plutôt pour l'attaque ou pour qu'il survive? Non, c'est plus pour l'attaque. Parce que 11 PV ou 5, tu vois, c'est pareil. Mais ça peut aller chercher un petit rip-hop. Ça peut aller chercher un petit Kangor ou tu vois, une connerie.
Le fichu sa cruauté. Bam 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 bam. Ah mais personne se tue. Impressionnant. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Lui joue des mecs. Contre mec, il faut quand même mettre les gars devant, non? Non. Ferrix, c'est facile à trouver, il y a itération infinie. Bah, il y a ça, mais bon. Je crois que j'ai plus de chance avec des rolls qu'en achetant l'œuf. Sachant qu'il y a... Il y a le sort aussi, mais bon, je... Ah, il manque une pièce. Il me manque une pièce. Oh zut. Zout, zout, zout. J'organise une petite fête au zout. Ouais, bah ouais. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain. L'or est à vous! N'allez pas le dépenser en une seule fois. Non, faut aller sur le... Faut aller sur le fiche les copains. Watch out. Je le bats lui non? Après il a les Fire X qui sont un peu chiants. Non je pense pas le battre. Ah j'invoque des tons hein. Ah, le faucheur il va piquer. T'as mis que 7 dégâts, c'est rigolo. Directement sur le terrain. Vous avez la pioche facile. Je peux prendre un... Non, ça n'a pas de sens. Ouais, ça pourrait... ça peut. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Une petite piqûre d'amour. On n'a pas fini de chanter vos exploits. De toute façon, c'est vraiment une bataille de rip-hop contre lui, même contre Automate hein, dans l'absolu. C'est juste qu'Automate, ça monte de l'attaque et des points de vie. Tellement cool, ouais, franchement c'est trop cool hein. Je pense malheureusement que je vais faire top 2 et pas top 1, mais c'est tellement classe.
comme compo. Faudrait taper dans le... Ok, ça c'est bien de protéger les rip-hop de ce gars. Niveau force, ça se passe comment par rapport à la compo Exodia Pirate Parfaite ? Exodia Pirate Parfaite, niveau force, bon, c'est aussi naze que la compo Exodia, je pense. Rappelez-moi de ne jamais vous énerver. Là, on fait top... Là, on fait top 2, 19 tours, parce que dans le lobby, c'est méca magnétisme. Enfin, c'est méca automate, c'est pas méca polarisant. Parce qu'en face, tu mets un faucheur 1000-1000 et un polarisant 1000-1000, je me fais massacrer, hein, ou même des LM 1000-1000. Je perds. Hein. Là, c'est parce que le match-up est bon. Hein. Il y a des morts vivants dans ce lobby. Je pense qu'il faut quand même caler un dynamiteur. Ah non, parce que dynamiteur, ça va pas comboter avec mon poisson. Ça va raser. Ah non, remarque, ça peut pas raser mon board. Mes créatures ont 6-4. Je crois que je vais rentrer un dynamiteur. C'est toujours utile d'avoir du renfort. Oh putain, le dynamite. Ah non, c'est bon. J'étais en train de dire que ça va tuer mon fiche. Mais non, j'ai talisman, je suis bête. En fait, le talisman est tué. Je suis passé par toutes les étapes là. En une seconde là, je suis partout. Ouais, c'est bon. J'ai eu peur, puis rassuré, puis re-eu peur. Le gars, il se met tout seul dans des états d'angoisse. Ok. Bon, le poisson est protégé. On va taper dans le faucheur, hein, parce que le faucheur est chiant. S'il vous plaît. Hein. Allez, le faucheur. Bon, Fire X, c'est bien. Allez, le faucheur. Allez, on met des grosses tartines dans le faucheur, voilà. Bam! Ah, c'est cool, quand même. Après, est-ce qu'on va le tuer? Ça part bien, hein. Le combat part bien, mais il est à 13 quoi. Ah là là. Ouais, ça passe hein, je pense. Hein. Oh 11. Après on jouait 67%, mais... Ah non, on avait un spot. Non mais tour 20, mais tour 20 en mort-vivant. C'est le record mat du monde. Tour 20 en mort-vivant quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Bon en tout cas, c'était pas mal. Hein. Bon l'armure parce que j'ai peur. Le tour 20 en mort-vivant, incroyable. J'ai commencé cette game, j'avais 4 ans. Ah ça c'est bien par contre. Ouais, quoique... Ça marche pas sur les automates. Ouais, de toute façon, j'ai que ça à faire. Le boubou, il va sur quoi? Sur ça? Jamais vu le T20 de ma vie insensé, bah voilà.
En plus, avec une compo nulle, hein, mort vivant, quoi. C'est incroyable. Cette game, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. Non, j'aimais bien ce placement. Je veux pas bouger. J'aimais bien ce placement. Faisons pas le fou. Ouais, on est toujours large devant. Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est bien de tuer tout de suite ce faucheur. Ah, quoique il va revenir. Boubou à droite. Non. Allez. Boubou à droite. Non. Ah, ça c'est bien par contre. Ça c'est pas mal ça. Bah, le faucheur, si vous tapez pas dedans, en fait, ça sert à rien qu'on fasse le combat. Hein. Allez, boubou. Mais vous n'avez rien compris! Ok, nice, boubou. Le squelette qui reste, c'est le meilleur des squelettes. C'est le roi des squelettes. Tu es élu roi, tu es roi des squelettes, c'est bon. C'est toi le prince, le roi, le dieu des squelettes. Il est magnifique ce squelette. Incroyable. Ce squelette. Bah écoutez, c'est la game du mois. C'est la game du mois d'octobre. Je veux rien savoir en fait.